Liste d'amis, Zedfar, invité dans le groupe. Coucou. Coucou, ça va Zed? Ouais, ça va. Est-ce que t'es en forme aujourd'hui? Ouais, je suis en forme, surtout si c'est pour deviner des joueurs pros, ouais. Ah là 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 là, t'as compris le concept. Aujourd'hui les gars, c'est l'épisode 2 d'une vidéo qu'on a déjà fait il y a un peu plus d'un mois maintenant. On va devoir deviner quel joueur pro se cache derrière le gameplay, mais il faut savoir que tout sera flouté. On n'aura aucune indication sur son pseudo, du coup, faudra vraiment regarder ses techniques de fight, son skin, etc. Sauf que là, Zed, c'est une version extrême, je te le dis, t'es pas prêt. Vas-y, bah écoute, j'attends de voir ça. En gros, pour la version extrême, eh bien c'est simple, le monteur a ajouté plein d'overlays. Il en a également retiré, c'est-à-dire que par exemple, il a pris un gameplay de base et il a ajouté une caméra, un faux logo de sponsor, etc. Il va essayer de nous induire en erreur pour qu'on se trompe. Est-ce que t'es chaud? Je suis plus que chaud. Mais en fait, le problème, c'est que comme tu le sais peut-être, reconnaître des joueurs pros, je suis pas fort. En fait, j'en connais, mais je sais pas du tout comment ils jouent. Je saurais pas les différencier. À part Benji et Mr. Savage, je sais pas. Oh, les excuses de la team Zedfar là. Oh là 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 là. En plus, je voulais vraiment compter sur le fait d'entendre quelle langue ils parlent. Mais là, ça va être plus compliqué du coup. Et oui. Bref, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner, c'est super important. On est parti. Let's go. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter le Nubia Red Magic 7. C'est le téléphone gaming par excellence. Il est disponible en 3 coloris, Supernova, Obsidian et Pulsar. Le téléphone est doté d'un écran Full HD en 1080x2400 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C'est vraiment énorme pour le coup. Il est équipé d'un ventilateur qui augmente le volume d'air de 35%, donc avec ça, vous êtes sûr et certain que votre téléphone restera au frais pendant toutes vos sessions gaming. Un autre point positif, c'est la recharge du téléphone. Elle est hyper rapide. 4500 mAh, 65 watts, elle possède aussi son propre système de refroidissement, bref c'était le top. Faut savoir également que c'est le premier téléphone à gâchette, elles sont disposées sur le côté droit, elles ont à peine 8 millisecondes de temps de réponse et elles ajoutent beaucoup plus de fonctionnalités pour les joueurs. Elles sont également équipées de surfaces anti-transpirantes pour une meilleure précision. En gros, avec ça vous serez les boss sur Fortnite mobile, c'est sûr. Pour parler du son maintenant, il a une prise audio de 3,5 mm, donc ça c'est vraiment très bien pour pouvoir connecter un casque ou alors des haut-parleurs externes. Et si on veut parler un peu plus technique, le Red Magic 7 est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec un GPU Adreno 730. Croyez-moi qu'avec ça, vous serez très bien. Bref, encore une fois, un grand merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Bon visionnage. Ok, on est parti directement sur le premier pro. Bon, là déjà, on aurait pu dire ouais, il a une cam et tout, mais non, vu que c'est la version extrême, à tout moment, c'est Gio le monteur qui l'a rajouté. L'enflure. Ah bah là, mais là, ça va être impossible, attends. Oh, regarde, ça va. Par contre, Waz, je crois savoir, la cam ressemble à quelque chose, mais je peux me tromper. Après, si elle a été ajoutée, on sait pas, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au décor de The Kairi derrière. T'es ça dans ce que tu dis, toi? Ah ouais? Mais non, mais c'est pas The Kairi, ça. Mais si, c'est tout noir derrière et à gauche, il y a sa porte. Ah, je peux me tromper, hein, je sais pas. Il est en train d'essayer d'aggro le mec. Le skin, honnêtement, il est assez commun chez les pros, je trouve. Oh là là, la belle balle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas Martial. Le mec, il a pas raté ses balles. Désolé, je suis obligé de mettre une balle perdue à Martial. Oh là là, mais regarde le fou furieux. Je déteste les joueurs comme ça. On va rentrer dans la box. Non. Oh, et c'est moi ou son fight est hyper long quand même pour un joueur pro? C'est surtout qu'il se fait 2v1. Ouais, ouais. Bon, là, heureusement, il l'a arraché. Oh, la voix. Attends, on entend mon Graal. Donc, ça veut dire que c'est potentiellement pote de mon Graal. Mais là, encore une fois, ça peut être ajouté, tu vois. C'est ça qui est dingue avec ce concept et qui va être trop dur. Par contre, c'est un fou furieux à rentrer comme ça, la PM. Ah ouais, non, il est vraiment, vraiment chaud. Ouais, je mets ma main à couper que c'est rajouté des voix là. Ah ouais? Ouais, je suis sûr. En fait, là, dis-toi maintenant, on va plus se concentrer sur est-ce que c'est rajouté ou pas que sur le gameplay, genre, c'est horrible. C'est sûr que c'est vrai. Voilà, nice. Let's go. Oh, il y a eu une voix française là. J'ai entendu, je crois qu'il est dans la merde là. Ouais, ouais. Attends, mais. Eh, mais. Dio, t'es un malade. Il a mis toutes les langues. Il rate sa balle. Oh là là, mais. Martial, regarde cette vidéo, prends-en de la graine, hein. Deuxième balle. Désolé, j'en mets de plus en plus maintenant, j'aime bien. Oh, là, c'était... Il a pas rajouté ça quand même, non, non, non. Bon, allez. What is happening, my friend? C'est quelqu'un qui joue avec le pompe chasseur. Ok. Pour l'instant, je sais pas toi, mais j'ai pas vraiment d'idée. J'attends de voir la liste des 4 propositions. Bah, franchement, j'ai zéro idée aussi. Bah, déjà, ce qui peut m'aider, c'est que son jeu est en anglais. Ah, merde, enfin, je l'ai pas... Ah, vas-y. Ah, merci, j'avais pas vu. Bien vu, ça. Ok, nickel. Quel frère, cette phare. Mais, donc, la voix française, elle était rajoutée. Ça, c'est évident. À moins qu'un anglais joue avec un français. Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Oh, c'est risqué, là. Imaginons le mec casse. Il adore le risque. Ah, ouais. Il se retrouve, du coup, en 1v1 pour le top 1. 21 kills. C'est quand même plutôt propre. Il a d'ailleurs 28 000 points d'arène. C'est quand même un mec qui grind pas mal, tu vois. En vrai, il a pas l'auteur. C'est une situation assez délicate, je trouve. En fait, c'est surtout qu'il a plus de masse. Regarde, je suis fort et créateur, Vouga. Ça c'est sûr, c'est un bait. Gio, je t'ai connu trop bien. Bien sûr que c'est un bait. Ok, et bien parfait. Ok, oula. Nous avons le choix entre Mr. Savage, Bouga, Janice ou Andilex. J'en ai aucune idée. Tu penses savoir toi ou pas? Non, je ne sais pas, Waz. Ok, et bah tu sais quoi? Je vais suivre mon instinct. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton instinct? Ah ça, je vais pas te le dire maintenant. Tu peux me le dire, tu peux me le dire. Non. J'ai mon idée. Ok, 3, 2, 1, Mr. Savage.
Let's go. Oh là 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 là. Bon, eh bien... GG. Ok, alors là, la facecam, ça c'est la cam de mon Graal, on est d'accord, qu'il a découpé, non? C'est Benji, ça. Ah non, c'est mon Graal, ouais. Ah ouais, mais ça c'est une fausse cam, 100%. Alors là, Gio, tu m'auras pas, je te le dis. Bon. Waouh. C'était un beau petit chiton. Il joue à, par contre, sans ping. Ouais, c'est vrai. Oh, il a bien crack. Regarde, il push en hors zone, ça c'est un mec qui a la dalle de kill. Ça m'étonnerait pas que ce soit un gars comme Stompy ou quoi. Ou mon Graal même. Ouais, c'est vrai. En fait, ça peut être tout le monde. En tous les cas, là, il a déjà 3 kills, donc ça ne peut pas être Martial. Il prend tellement de balles perdues, le pauvre. Et lui, mais il me fait de la peine. Tu sais que pour la petite anecdote, il est venu chez moi il y a pas longtemps, et j'ai tourné une vidéo devant lui où je lui mettais plein de balles perdues, du coup il m'a regardé vénère. Et il a rien dit? Non, il pouvait rien dire parce que j'étais en train de tourner. D'ailleurs, c'est en tournoi, regarde, il a 16 points. Ah ouais. Attends, le frérot, je t'explique juste, hein. Il est en tournoi, il a 16 points, il a 100 ping, il a 5 kills. Ah oui, le souci. Non, c'est vraiment un top player pour le coup. Oh, le pad, il est vraiment bien timé là. Clean. Regarde, il arrive en zone, il est encore full mats, il est trop bien ce niveau là aussi. Voilà, tranquille, tape-toi la mini. Moi je pense que c'est un anglais déjà. Ouais, je pense que les voix c'est vraiment pas fake là pour le coup. Il joue aussi avec le truc des bruitages, regarde. Wow. C'est vrai qu'il joue avec les bruitages, ça c'est un bon indicateur. Oh là là. Tu penses qu'il top 1 toi ou pas? Bah, sachant qu'il a 100 ping, c'est chaud. Eh, moi je pense qu'il top 1. Par contre, il est trop fort, je crois qu'on se rend pas compte parce que 100 ping constant en cup, en plus déjà qu'il y a de la latence, c'est fou. Ouais, clairement, c'est un gros monstre. Il extend bien. Pour l'instant, j'arrive pas vraiment choper des indications sur son gameplay. C'est assez dur parce que en soi, en fin de zone, la plupart des pros jouent pareil. Tu vois, là c'était un beau piece control, mais tout le monde sait piece control maintenant. Pour l'instant, la seule certitude que j'ai, c'est anglais, c'est tout. Franchement, si, ok. On ne sait pas en français déjà, ça c'est sûr. Hashtag analyse. Voilà, mais après, ouf, on peut observer, ça c'est peut-être bon à savoir qu'il joue que KPM. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a un gros aim, c'est pas Martial encore une fois. Oh, il a repris la hauteur là-dessus. Top 5, 7 kills. Allez, tu peux le faire, mon gars. Je sais pas comment t'appeler, mais tu peux le faire. Je sais qui c'est. Ah ouais? Je sais. Et tu peux aussi savoir. Ouais, tu peux savoir largement. Je suis sûr, tu dis ça pour me bait et pour me mettre la pression. Je te jure que vraiment, je sais. On parie que j'ai bon. Si t'as pas bon, t'as moins 1. Non, ah, non, vas-y, assume. Assume, tu fais non, le mec, assume. Non, assume, vous êtes fort. Vas-y, j'assume. Ok, j'espère que tu te trompes. Et à l'inverse, si j'ai bon, j'ai plus 2. Non, ça non. Abuse pas non plus. C'est qui tout double? Si j'ai bon, j'ai plus 2. Si j'ai faux, j'ai moins 1. Blablabla, non. Il ne reste plus que 2 adversaires. Un seul maintenant. Comment il va gérer la situation? Toi, c'est sûr, fou furieux que t'es, tu serais rentré dans la box du mec. Faudrait juste foncer à la PM. Oui. Voilà, c'est ça. Toi, lui, il garde la hauteur proprement et tout. Prends-en de la graine aussi, toi. Et vraiment, j'avoue, full PM. Hein. Oh, il s'est fait crack. Non. Il a mis aucune balle. Eh, le joueur pro, cheveux rose là, je sais pas ton nom. On croit en toi, donc fais top 1. Et il a bien crack. Wow. Et le mec est blanc, il va drop dessus. Et. Ah, ça c'est pas mon Graal. Ok, ça se joue entre Seti, Buck FPS, Anas ou mon Graal, Zephar. T'as fait le mec. Honnêtement, est-ce qu'il y a ta réponse là-dedans? Honnêtement, oui. Oh. Et je connais tous les joueurs pour le coup. Non, il y en a qu'un que je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais je l'ai jamais vu jouer. Ok. Bah, déjà, il y en a deux qui sont très connus et forts. Tu les connais forcément. Ouais, et bien moi, j'ai mon idée. Zephar, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, ouais. 3, 2, 1. Buck FPS. Mon Graal. Oh, mon la Graal. Réponse était du coup 3, 2, 1. C'est quoi? Non. Oh non. On est trop nuls. Ça compte pas, ouais, je te jure, ça compte pas. Ah, Zephar moins 1, Zephar. Non, ça compte pas, s'il te plaît. Non, Zephar moins 1, Zephar 0, Oise 1. Ça t'apprendra à faire le mec. Allez, game suivante. Oh, par contre, si je perds là maintenant, c'est long. Oh, mais attends, mais what the fuck? C'est pas quoi dire. Oh mon Dieu. C'est un manette, il est trop fort. Ah, c'est un manette. Ouais, c'est un manette. Il a fait ça comme ça sur manette avec ses petits doigts là sur ses joysticks. Regarde ses kills. Il a 15 kills en 17 remains, 47 000 points d'arène. Mais attends, ok, là c'est l'élite de l'élite des manettes. Là c'est sûr, ça peut être que 2-3 joueurs possibles. Ouais, oui, moi je pense à Wolfies, à Lecce. Ouais, c'est ça. Ah, il joue Pomplou. Hein. Le pompe qui est plus nul du jeu. Ah, en vrai, ce pompe là, si t'as un bon aim, il met des patates, je trouve. Mais bon, il faut pas rater ses balles quoi. Bah, c'est comme le charge. C'est le meilleur pompe du jeu si tu sais le gérer. Ouais, c'est ça. Oh, il se contrôle. Bien joué. Oh. C'est super risqué ce qu'il a fait là. Wow. Oh là là. Mais il a tellement confiance en lui, genre, j'ai l'impression qu'il se sent immortel, tu vois. C'est ça. Et il enchaîne bien, il va drop sur le mec. Oh là là, il va passer un seul quart d'heure celui-là. Il rentre à la paix. Oh le fou. Alors, c'est un manette qui a des grosses mechas plus une PM. Mon gars, ça fait des massacres. Hein. J'ai pas envie de le croiser, il va me traumatiser pour toute ma vie. Mais il est trop fort. Mais regarde ça. Mais il est trop fort. Eh non, mais.
Il est impressionnant, vraiment. La voix, elle était vraie, tu penses ou pas? Ah ouais? C'est sûr, elle était rajoutée. Oh là là. Je sais pas. Eh, Gio, je te déteste, hein. C'est vraiment une version extrême pour le coup. Déjà, Gio, que tu le détestes aussi, Zedfar. Gio, je t'aime pas. Ok. Oh, voilà, let's go. Ça, c'est tout ce qu'il mérite à force de me vanner. Eh, on dirait un mec qui fait du build fight, mais tu sais, du build fight artistique, genre des belles retakes bien fluides et tout. C'est pour ça qu'en ce moment, je kiffe regarder des manettes parce que je trouve ça ultra smooth, ça. Bah, là, c'est pour le coup, t'as pas plus smooth, hein. C'est pas possible. Waouh. Ah, c'est pas toi qui ferais ça, hein. Ouais, m'oblige pas à te 1v1. Tu sais, ça va mal finir. Ça fait un an et demi qu'on sait pas 1v1, Zedfar. Mais tu sais qu'en vrai, on sait jamais vraiment 1v1. Si, on s'est déjà 1v1 une fois sur ta chaîne, dans cette vidéo. Mais elle date de quoi? Presque 2 ans maintenant. Et à l'époque, t'étais pro, et entre temps, c'est moi qui le suis devenu, Waz. D'ailleurs, pourquoi est-ce que dans ta bio t'as mis joueur professionnel sur Fortnite et pas retraité sur Fortnite? Ok, je la change tout de suite. C'est une bio que j'ai pas changé depuis 3 ans parce que j'avais la flemme. Mais là maintenant, je vais la changer. Eh, tu sais quoi? S'il y a 25 000 likes sur cette vidéo dans mon à propos YouTube, je transforme ma bio actuelle en retraité sur Fortnite. Et si jamais il y a 40 000 likes, tu mets Zedfar et mon sensei. Ah, si tu sais quoi, je suis joueur. Mais bon, la team ZDFR, j'ai confiance. Tu mettras le message que je te dirai en mode Zedfar m'a tout appris sur Fortnite, on bail comme ça. Vas-y. Eh, les ZZ, je vous fais confiance. Et qui est pas cette vidéo, s'il vous plaît. On en parle pas, c'est du fait qu'il est 22 kills et que j'ai aucune idée de qui. Honnêtement, j'attends juste de voir les 4 propositions parce que là, j'en ai aucune idée. Alors, même moi, mon gars. Mais déjà, tu sais que la cam, j'ai l'impression qu'elle est réelle. Parce qu'on dirait qu'il tient une manette. Tu sais, il est positionné comme un mec qui tient une manette et pas un CS, tu vois. Il est un peu mis tranquille sur son siège et tout. Bon, là, il vient de cheaton un gars. 23 kills, pas mal. Regarde. Le mec, il est en créatif. Il est sur la BHE là. Il fait ses meilleurs solo builds. Regarde ça. Mais. Oh, mais c'est dingue. Mon record de kill, c'est même pas la moitié des siens. Rigole pas, Zedfar. Eh, commence pas à chanter aussi, s'il te plaît. Par contre, what, j'ai vraiment aucune idée de qui c'est. Honnêtement, moi non plus. Va dans le bush. Nobody here. Oh, quoi? Il a touché un mec? Arrête, vraiment? Ouais, regarde, il est sorti à la gauche. Oh. Ah oui, il aura des goûts. Ah, c'est toi, ça. Ah, d'accord, tout de suite plus. Oh là là là. Eh, t'as vu, il a pris le temps de vision, on dirait Martos. D'ailleurs, t'as déjà vu le niveau de Martos à la manette? Tu sais qu'il est trop fort, hein? J'ai jamais vu, non. Oh, le monteur affiche maintenant un mini highlight là de Martos à la manette, il est incroyable. Le 23, il se dirige potentiellement vers son 26ème kill. Il va essayer de laser le mec qui craque. Oh, il a craqué les deux. C'est sûr, il va se faire KS, c'est toujours comme ça. Non mais lui il a cru qu'il était invisible. Et là c'est insane par contre. Ouais, 27 kills. En plus c'est, y a pas de réaction ou quoi. C'est même pas comme s'il était en train de faire son record de kills. On dirait que c'est la base pour lui. Ouais vraiment. Et voilà, c'est validé. Bon bah ok. Alors là, nous avons le choix entre Cam FN, Wolfies, Maggle ou Scopt. Je connais pas Cam. Moi non plus. Mais ça m'étonnerait pas que Gio ait été chercher une petite pépite, tu vois. Ouais c'est pas faux. Attends, je réfléchis. Moi j'hésite entre deux, honnêtement. C'est plutôt ceux qui sont du côté droit. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. Scopt. Scopt. Oh. Ah ok. Aïe. Let's go. Et c'était bien Scopt. 2-1 pour moi, mon gars. Eh, tu sais quoi, je suis joueur. Prochaine question, elle vaut 2 points. Ok, vas-y. Alors là, j'aime bien ça, j'aime bien. Vas-y. Nous arrivons sur la pauvre d'un petit joueur clavier-souris avec un skin totalement immonde. Voilà. Waouh, la balle qu'il vient de mettre. Ah ouais, non, il a mis une dinguerie. Par contre, regarde, y'a un mec qui spam et bizarrement, le pro là, il se fait pas spam. Il a de la chance. La voix, j'ai pas bien entendu. Putain, mais ouais, ferme-la, j'ai rien compris. J'ai entendu, c'est bon. C'est un jeu encore une fois en anglais. Eh, viens, on se pose 2 secondes, on parle de son stuff. Eh bah, en vrai, pas fou. Oh, c'est ça, ouais. Oh là 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 là. Il est déjà à 10 kills. Bon, quand même, vachement moins impressionnant que le joueur manette. En tout cas, belle découverte pour moi, celui d'avant, Scopt. Je savais qu'il était fort, mais j'imaginais pas à ce point pour le coup. What, c'est quoi cette langue? Alors je sais pas c'était quoi la langue, en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est pas rajouté. Comment tu sais? Ah, parce qu'il a dit, en fait il a cité le pseudo du mec. Ah ouais. Bonne, merci de me l'avoir dit moi. Non, ça, mais... je rentends la voix. Non. Ok, donc ça c'est bien sa voix. J'ai rien dit, il a pas dit le pseudo du mec, il a dit... Oh. 26. Waouh. Oh là 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 là. Et il a retourné là. Petite balle, balle ratée. Balle mise. Voilà. Balle ratée. Ah, attends, il alterne en fait. Et récupère le kill. Parfait. 13ème. Il enchaîne. Il aurait take le wall. En tout cas, il joue bien safe. Regarde, à chaque fois, il se cover bien. Il pisse contrôle à l'avance et tout. Oh là 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 là. Mais non, il a cassé le pad. Ouh. Tiens, je suis lancé délicate. Ok, crack. Attends, j'avais pas vu, mais regarde à gauche. Il y a des sponsors et tout floutés. Tu penses qu'ils sont vrais ou ils sont faux? Ah, je sais pas. Tu mets le doute. Non, en vrai, je pense qu'ils sont vrais. Ah ouais, ouais. Gio écrit maintenant s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Ils ne sont plus que 5 sur l'île de Fortnite désormais. Oh, lui va prendre un laser, non ça va, 66. Mais ouais, je comprends pas, j'arrive pas à savoir il est de quelle langue. Bah, honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est une langue que je connais pas trop bien. Et vu que je connais que le français, bah on est mal embarqué. Ah, je crois que je sais. Ah ouais? C'est quoi, Z? C'est du russe, Waz. Ah ouais, ouais? Non, je suis sûr, tu me trolles. Ah, tout le monde, ça a été rajouté, hein? En vrai, ouais, c'est possible. Mais je t'ai fait ton bateau, c'est pas du russe. Et j'ai dit n'importe.
Parfait. Il arrive sur la fin de la game. Oh, le bombé en face. Oh là. Mais Martial, arrête de stream avec des joueurs pro, on t'a dit. Regarde. En plus, c'est son skin. Je te jure, c'est le skin de Martial. Waouh. Oh non, mais il prend cher. Oh là là, le bombé. Mais. Oh, ça, c'est lui. Martial, vraiment. Arrête de stream avec. Je te l'ai toujours dit. Regarde. Il met des bandages. Mais à quoi tu joues? Et il est en arène à 10 000 points. Moi, j'ai pas ça à 10 000 points. Je tombe sur Scopt. Mais regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais. Il va se faire pêcher, Martial. Et je sais pas à quoi il joue. Regarde, regarde. Mais. Mais t'as déjà vu des bambis comme ça ou pas? J'en ai plus vu depuis le chapitre 1. J'ai jamais vu ça. En plus, c'est de l'arène, donc y a pas de bot. Bon. Et bah des rips Martial dans les commentaires. La game s'achève ainsi. Le joueur pro, c'est soit Stompy, Andretta, Tooze ou Tyson. Bon alors là mon gars, mais ça va être à la wall again total. Bah honnêtement. Mais fais pas genre tu sais. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune fichue idée. Vas-y. Je dis au pif encore une fois. 3, 2, 1, Tooze. Non. Allez. C'est soit on a gagné tous les deux, soit j'ai perdu. Non. Non. Ouais, je te déteste. Mais pourquoi? Parce que j'allais dire Stompy. Mais pourquoi t'as dit Tooze? Mais parce que je sais pas, j'ai stressé. Oh là 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 là. Bon, et bien, le score reste identique. Tout va se jouer sur la dernière manche. Let's go. Le retour de la cam, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? En plus de ça, il faut Ah, c'est des Français, Oh, je sais qui c'est. Ah, bah non, peut-être qu'il a rajouté en fait. Bah ouais, eh, à tout le monde, il a rajouté. Regarde ça, un jeu en anglais. Il a voulu faire croire que c'est Nikoff. On t'a grillé, Dio, c'est pas Nikoff ça. Après, il y a beaucoup de pros qui jouent avec le jeu en anglais aussi. Ouais, c'est vrai, mais il veut nous faire croire que c'est Nikoff. Quoique, il parle du pompe et tout. Oh là là, mais c'est un fou furieux. Hein. Gio, t'es un malade. Hein. Il enchaîne bien 5 kills à peine. Et encore une fois, je te jure, là j'ai l'impression. Ok, c'est un joueur pro, il est très fort, etc. Mais Scopt a tellement mis la barre haute que j'ai l'impression que c'est un joueur basique, tu vois. Ouais, de fou. Mais après, en fait, Scopt, c'est parce que comme il est manette, il donnait au max de ce que pouvait faire des manettes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et dans sa box, il récupère le wall. 87 patates. Comment défenestrer son adversaire? Hey, Nikoff, comment défenestrer son adversaire? Et j'ai des doutes. Tu me fais trop douter, Gio, tu me fais trop douter. Mais. Par contre, c'est moi, c'est que des mecs qui font aucun effort. Il retait encore le wall, est-ce que celui-ci va être un petit peu meilleur? Waouh. Wow, let's go. Ouais. Tu spam, une fois qu'il est low, tu te sers de tes armes pour se contrôler tout le temps. Oh, attends, mais il parle du fight et tout. Hey. Oh, ça me perturbe trop. Bah franchement je sais pas. Franchement je te le dis hein, je suis mitigé parce que. Après c'est pas méchant, Nikoff est très bon mais est-ce qu'il a encore ce niveau aussi? Je t'avoue que je regarde pas trop ses lives et je sais qu'il est très fort mais à ce point là je sais pas. Je regarde pas trop non plus en ce moment parce que j'ai arrêté de suivre la compète, mais je sais qu'il a toujours été très sous-côté et très fort Nikoff. À ce point là tu penses? Bah en fait, pour moi c'est pas le joueur qui a les mécaniques les plus impressionnantes, genre tu sais c'est pas un mongral tu vois qui édite super vite, qui construit super vite, etc. Mais il est toujours constant et avec un aim solide, un bon teamfight et tout, enfin en vrai, ça m'étonnerait pas que le niveau ce soit lui tu vois. Ouais. Attends mais c'est encore une fois en tournoi, regarde 15 kills en tournoi. Ah oui j'avais pas vu. C'est dingue. Martial en 10 games il ferait pas autant de points. Oh Martial arrête de le. Tu lui as mis combien de balles dans le plan? On fait le world record de vanage les gars. Oh là 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 là. Nice. Franchement, Was, pour toi, c'est Nikoff ou pas? Bah, je vais pas te le dire. Mais dans tous les cas, vu que je gagne, je vais prendre un peu plus de risques sur cette manche. Bah là, de toute façon, c'est encore 2 points. T'as pas le choix, parce que même si jamais... Ouais, c'est encore 2 points, ouais. Ok, Là, en gros, c'est simple. Si j'ai bon, même si tu as bon, j'ai gagné. Si j'ai mauvais et que tu as bon, t'as gagné. Et si on a tous les deux bons, ex-aequo. Ah bah non, j'ai gagné. Ouais. Parce que je prendrais plus 2 et toi aussi. Et j'ai déjà un d'avance là. Ok. Donc en fait, moi, le seul moyen de win, c'est que je sois tout seul à dire... Voilà, c'est ça. Oh, derrière lui. Oh ah. Oh, j'ai eu peur ça, pour lui. Ça c'est ma phobie sur Fortnite. Les fous furieux comme ça c'est ça? Les gros tarés qui tu les entends pas et ils te sautent dessus. Vraiment smart là le coup de truc Batman. Oh non mais what, what? Ah. Quoi c'est un FR? Y'a que des FR si t'es un FR. T'as entendu la fin? Ouais. Est-ce que c'est X-Wiz, Nikoff, Snazy, Andilex? Oh là j'en ai aucune idée. Attends mais là du coup ça nique tout parce que c'est sûr c'est un FR. Ok. Waz je sais pas Waz. Snazy est chez Vitality, il y avait un logo Vitality à droite. Ça m'étonnerait pas qu'il ait juste remplacé la cam en vrai. Bref, t'es prêt? Vas-y je suis prêt. 3, 2, 1. X-Wiz. Allez. Non. Allez. Waz mais t'as forcément gagné, j'ai le seul. Allez. Oui. Non. Let's go. Les ZZ qui l'emportent encore une fois. Voilà ça j'aime bien. Moi je dis c'est pas mérité. Dites si vous trouvez que c'est mérité ou pas. Ouais c'était un gros tricheur. Pour moi tu devais pas gagner et c'était ex-aequo. Mais bien sûr que c'est mérité. Attends c'est toi qui a fait le mec, t'as perdu des points. Et j'ai été bien gentil de te dire ouais c'est x2 hein. C'est vrai mais t'as quand même triché. Oh le rageux les gars. Allez les ZZ on fait ça dans les coms dans tous les cas. Bref Zfar merci d'être venu encore une fois pour te faire humilier. Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Bref n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu. Pense également à vous abonner. Sur ce je vous dis en quelques jours. Ciao.